Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, vous l'aurez vu au titre, je vais faire un unboxing de ma PlayStation 5. Et ouais, je l'ai eu en noir, t'as vu ça? J'ai eu la PlayStation 5 en noir les mecs. Regardez-moi ça. Mamma mia. Non, je rigole, elle est pas en noir, c'est juste que ça, c'est la version digitale. Donc le boîtier, enfin le carton est noir et c'est la version avec le CD. Le boîtier il est blanc. Tu vois, je l'ai vu, tu vois, les gens qui allaient la chercher et tout, je l'ai vu, tu vois. Et là, elle là, j'ai la PlayStation 5, oh my god. Et franchement, je suis trop content. Et je suis désolé pour tous ceux qui l'ont pas, mais voilà, dans quelques mois, vous pourrez en avoir une. Donc voilà, je vais faire un petit unboxing, j'ai essayé de faire ça au KLM, j'ai essayé de faire ça bien. Bon, vous me connaissez un peu à l'arrache, hein, comme d'hab. Mais voilà. Voilà, elle est là. Elle est là, ce soir on joue sur PlayStation 5 les mecs. Et ouais, nouvelle génération. Vas-y, à tout de suite. Alors déjà je vous filme la boîte comme ça, tu vois. Au KLM. Si jamais ça vous intéresse. Ils disent que c'est sans disque, console sans disque. Alors sur le côté, il y a le ticket mais ça on s'en fout. Ok, ok. Derrière. Qu'est-ce que ça dit derrière? Jouer comme jamais auparavant avec une manette qui nous fait ressentir les sensations des vibrations quand tu es dans le sol, dans le sable, quand tu tires avec un lance-flamme ou avec un sniper ou avec une mitraillette. Apparemment, c'est une putain de manette. Faudrait que je teste ça. La PlayStation 5, toute fine, toute belle. Dommage que je ne l'ai pas eu en noir. Hein. Franchement, en noir, elle est super classe. Là, je l'ai eu en blanc. Mais bon, c'est pas grave. Dans 2 ans, j'achèterai la nouvelle version en noir quand elle sortira. Le truc en français, il n'y a pas là. Des jeux époustouflants. Des jeux époustouflants. Émerveillez-vous devant des graphismes incroyables et découvrez de nouvelles fonctionnalités PS5. Découvrez tout un catalogue de jeux PS4 numériques pris en charge via une mise à jour du système. Let's go, boys. Let's go. Attention. Attention, les mecs. Chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. Allez, c'est parti, let's go, on va l'ouvrir. Allez, allez, vas-y, on ouvre ça, on ouvre ça. Un unboxing un peu fait à l'arrache. Mais bon, j'ai qu'un téléphone, j'ai pas vraiment de matos. Ciseaux, maestro. Tadam, 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 tadam. Hop là. Ok, on ouvre la première truc. Bon, je vais sortir la boîte, à toutes. Donc voilà, c'était du fake les mecs, il y a rien dedans, j'ai eu la boîte vite, voilà tout simplement, je vous ai bien eu. Non, je rigole, elle est là. Vas-y, je me prends des délires tout seul mon gars. Ouh, le petit signe. Ouh. Putain, elle est carrée quand même la play, hein. Elle est quand même grosse, elle est bien carrée, non? Putain, je me prends des délires, c'est bon. Allez, ouverture, ouverture de la boîte de Pandore. Putain, dommage que je ne suis pas fort en effet parce que j'aurais fait sortir blindé de je sais pas quoi, de lumière. Alors, je vais la sortir. Oh my god! Oh my god! Non! Il n'y a pas la manette! Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons là? Le câble d'alimentation, ça vous intéresse, non? Je vous fais une analyse du câble et tout. Non, ça ne vous intéresse pas. Ok, je m'en doutais. Le livre, on s'en fout. C'est quoi? Garantie, ok. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Oula! Des trucs qu'on ne lira jamais. Ouh! Des trucs qu'on ne lira jamais. Guide de sécurité, ok, j'ai pas besoin de sécurité, moi, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, ça? C'est le socle? Oh, il me donne un HDMI, en plus! Oh, il me donne un HDMI! Oh, ça fait plaisir, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le socle! Le socle, les frérots! Boum! Boum! Le socle! Ok. Ok, ça roule, le socle. Donc, je sais bien qu'on peut, genre, pivoter un truc, là. Voilà, je sais pas quoi. Je vous montrerai après, de toute façon, hop. Maintenant, quelque chose que je vais avoir en main tous les jours, tous les soirs de la vie, de l'année. Non, ce n'est pas ma bite, non. C'est ma manette de PlayStation 5. Regardez-moi ça, regarde. Oh, la petite sacoche et tout, oh, on la sort de la sacoche. Ouais, je dois tout faire à une main, t'imagines ou quoi? Putain, dommage que ma femme, elle est pas là, quoi. Laissez-moi jouir un petit peu. Donc là, vous voyez la gâchette là? Elle est toute molle. Eh ben, tu sais quoi? Quand tu vas jouer,
il y aura une résistance qui va se mettre, elle sera de plus dure à cliquer dessus, tu vois. Ça dépend ce que tu vas utiliser, genre une mitraillette enfin voilà, la gâchette elle sera adaptative en fonction du jeu que tu, enfin de ce que tu vas utiliser. Après tu peux régler ça dans les paramètres pour que ça ne le fasse pas, tu vois. Ouh, le bouton share les mecs, le bouton share, vous allez pouvoir faire du share. Regardez-moi ça comme elle est belle. Alors là il y a un bouton mute apparemment. Oui, il y a un bouton mute, il ressort un petit peu quand même. Oh là là, le bouton PS, oh là là, il est magnifique. Alors c'est quand même bizarre, on dirait qu'on lui a mis une capote, tu vois. Tu vois la capote blanche. Sinon, franchement, elle est légère. Bouton R1, L1. Ouais, ils ont l'air plus... C'est pas du tout les mêmes boutons que sur la Play, sur les manettes de PS4. Hein. Les boutons, les analogues. Ouais, voilà, pas grand chose à dire. Hein. Enfin, si, franchement, une bonne prise en main. On va essayer avec la main droite. C'est jamais là, tu vois. Ouais, bonne prise en main. C'est bon, j'arrête. Bon, maintenant, la machine. La machine de guerre. Quand j'ai dit à ma femme que le 19 novembre, j'allais avoir une PlayStation 4, je lui ai dit, bébé, le 19 novembre, il va y avoir une nouvelle femme dans notre couple. Elle m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je lui ai dit oui. Nous allons avoir une nouvelle femme. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Le câble de rechargement qui vous intéresse fortement, c'est sûr et certain. Voilà. Ok, il n'y avait pas un autre truc là caché, là? Genre 500 € gratuit pour sur Coolo Mike, non? Et là, mesdames et messieurs. Et là, ladies and gentlemen. Et là, qu'est-ce que nous avons là? La PlayStation 5. Bon, attendez, je la sors. Alors moi, je vais pas vous mentir que je suis un vrai boucher, hein. Je sors un truc là, je le jette là, je sors un truc là, je le jette là, je m'en bats les steaks. Voilà. Par contre, là, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Striptease, yeah. Oh yeah, striptease, yeah. C'est bien, je partage mon plaisir avec vous, les potos, ça fait super plaisir, hein. Franchement, c'est bien d'être youtubeur. Hein. Même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, n'hésitez pas à partager vos meilleurs moments avec votre communauté. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Ouh là 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 là. Oh putain, my god. Oh my god, la machine. La machine, regardez-moi ça. Mais c'est de toute beauté. Putain de sa mère, c'est quoi ce truc là? Un petit trou là. De l'autre côté. Oh là 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 là. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. C'est la tour Eiffel, les potos. Oh là là, elle est quand même badass, hein. Badass, 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 badass. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, c'est pour mettre le socle. What the fuck, man. Est-ce que je la mets debout ou couchée? Bon, voilà, c'est bon. Maintenant, je stoppe la vidéo et je vais jouer à la Play, à la Play. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est l'installation, tu vois. Et je vais vous la montrer quand elle lume, peut-être, tu vois. Wesh, les mecs, regardez. En fait, quand tu fais ça, tu vois, t'as une vis ici. Ça, c'est le socle. Et ok, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Voilà. Maintenant que j'ai une vis, qu'est-ce que je dois faire avec? Parce que... Si moi je la veux. Donc ça me donne une vis. Ah oui, voilà. En fait, la vis, je dois l'attacher. Je dois la visser, voilà. Ici, juste là, il y a un trou. Tu vois, je la visse et je la mets juste ici. Tu vois, pour qu'elle tienne debout. Si je me trompe pas. On va tester ça. Donc là, il y a les fentes. Tu vois les fentes. Donc on sait que le plus bas, c'est ici, le plus gros, c'est là. Voilà. Je vais le mettre dans les fentes. Oh, mon téléphone, mais je suis occupé. Ok. Et genre, je dois la visser comme ça, là. Genre, comme ça, je dois la visser. Ça me semble bizarre. Testons, les amis, testons. Ne testons pas, mon ami. On va casser tout, mon ami. Bon, les mecs, moi, je suis déterminé à attacher ce socle, ok? Donc, j'ai été voir dans le manuel, le truc, là.
Hein? Je te claque, Emmanuel. Et dis, oui, enlevez le capuchon qui est au-dessus. Mais mec, regardez-moi ça. Le capuchon, là. Capuchon. Comment tu veux que je l'enlève, frérot? C'est impossible, je peux pas l'enlever, frérot. Je suis pas d'accord. Et je vais devoir utiliser un tournevis et défoncer ma play. T'imagines? Ah! Avec un tournevis, ça va direct mieux. En fait, faut enlever ce petit truc là. Tu vois? Voilà, ce petit truc là. Donc, c'est fait exprès. Faut prendre un petit tournevis, les mecs. Un petit tournevis, sinon vous ne pouvez pas l'enlever. Ensuite, vous mettez bien le trou ici. Hein. La vis, parce que je l'ai mis, elle est là. Hop, hop. Parce que j'ai envie de la mettre debout. Hein. On va la mettre debout dans le premier temps. Dans le premier temps, on va la mettre debout. De toute façon, je n'ai pas de place pour l'instant. Pour ma nouvelle flamme, je ne lui ai pas fait de place, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Donc excusez-moi du peu. Voyons voir. Et là, on visse. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Donc là, on va visser. Est-ce que je fais une petite coupure pendant que je visse? Non. Ce n'est pas un bon tour de vis. Je vais changer de vis. Enfin, de tête, voilà. Hop, ça c'est un bon tour de vis, regardez. Hop! Ne serrez pas comme un malade, ça ne sert à rien. Voilà. C'est très bien. Cependant, juste un petit problème que je pourrais dire, c'est que ici maintenant, bah, le cache est ouvert. Voilà. Les poussières vont s'y mettre. Ça, c'est pas fait, il n'y a pas de photo. Hop! Il y a déjà plein de trucs ici. Mais. Franchement, pas au fessier. Mais. Regardez ce qui est pas mal. C'est ici, là, le relief. Là, là c'est. Là, oh, ça c'est du lourd, ça. Ça c'est du lourd, ma gueule. Ça c'est du très très lourd. Par contre, j'ai pas envie de perdre le capuchon. Parce qu'on ne sait jamais si je la remets couchée, donc je vais mettre le capuchon là. C'est bien sûr que là, si je me lâche, je vais le perdre, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, let's go. Nous allons brancher. Regardez, ça c'est bien. Là y a, si tu, enfin, tu peux mettre ton doigt, quoi, tu vois. C'est vraiment très très classe. Bon, vas-y, je branche ça tout de suite. Let's go. Donc voilà, j'ai installé la play, les mecs. Je l'ai installé à la Wall Game. Il est comme ça sur le bureau. Aucune installation, je ne sais pas où la mettre, je ne sais pas encore quoi faire. Mais voilà, je voulais absolument faire le unboxing directement. Et ensuite, bah, je vais réfléchir où est-ce que je pourrais la mettre, cette belle homme. Bon, précieux. Donc voilà, là, je vais l'allumer. Je vais passer sur téléphone pour vous montrer comment ça se passe quand je l'allume. Et après, bah, je finirai la vidéo sur ça. Hein, hein, c'est pas mal. Hein. Par contre, faites pas attention au bordel, ok? C'est pas parce que, hein, moi je veux un petit peu bordélique, ok? Surtout que les câbles ils passent un peu partout, ça c'est derrière les écrans, mais bon, voilà, ok? Je suis pas chez moi, j'ai pas de place, enfin, tu vois, on fait avec les moyens du bord. Vas-y, c'est parti, let's go, j'anime ça tout de suite, let's go. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai installé à la Wall Game, j'ai mis un câble, j'ai mis l'HDMI, c'est bon, c'est parti. Ah ouais, sauf qu'on va couper ça, hop, voilà. Et là, regardez mon ami, je vais devoir l'allumer, je ne sais pas comment. Ah, ici, il y a un petit bouton. Voilà. Alors, un seul truc que vous devez savoir, c'est que le câble ici, ce n'est pas le même que celui de PS5. Donc ça, c'est de PS4. Donc ça, c'est un peu un problème. C'est un nouveau câble qu'il faut justement que je branche. Je ne sais même pas où j'ai mis, en fait. Ah, ben, il est là. Voilà, tout simplement. Donc, on va le brancher à la manette d'abord. Et ensuite, nous le branchons dans l'USB normal. Donc là, il y a un micro USB. Hein. Et là, c'est un USB normal. Hein. Donc le micro USB, je ne sais pas trop à quoi il va me servir. C'est un peu relou. Je me demande juste un truc, c'est que derrière, ouais, ça va, il y a deux USB derrière, hein. Donc encore heureux, une câble internet, HDMI, électricité. Alors l'HDMI qu'ils ont fourni avec, il a l'air vraiment badass, donc on va garder celui-là. Et là, vous êtes prêts, let's go, c'est parti, 3, 2, 1, ah oui. Oh, pourquoi ça s'allume pas à l'écran là? Quoi? C'est bizarre ça. Attends. Mais c'est magnifique. Mais quelle splendeur. Et derrière? Oh, derrière ça fait mal du tout. Regardez-moi ça. Ouais, je vais juste regarder c'est quoi le problème, pourquoi l'écran ne s'allume. Bon les mecs, je crois que j'ai un problème. La PlayStation ne veut pas s'allumer.
elle ne s'allume pas. Enfin, si, elle s'allume, mais elle ne se connecte pas à l'écran. J'ai essayé 3 câbles HDMI, j'ai essayé cet écran, il n'y a aucun qui détecte la Play. Et je n'ai pas envie de la rallumer, tu vois, parce que ne me dis pas que j'ai une Play défectueuse. Je vais allumer la manette. Qui ne s'allume pas. What the fuck? Je vais refaire une deuxième. J'appuie sur le bouton. Qu'est-ce que ça va faire? Oh my god. J'ai lu les instructions d'installation. Ils disent que je dois brancher mon câble internet. Mais t'es sérieux? Mon câble internet, il est en bas. Je vais pas le brancher là maintenant tout de suite, là-haut. J'ai son doigt appuyé dessus. Ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien, les amis. Je ne sais pas quoi faire. Je laisse mon doigt appuyé. Et ça ne fait rien. J'enlève le câble. Je ne devais pas devoir quand même la débrancher directement, quand même. Ne me dites pas que je dois la... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, hein, les amis. Je suis en pleine panique. Je suis en pleine panique. Mais je ne vais pas quand même devoir la débrancher par le câble d'alimentation, dites-moi. Ce n'est pas possible. Genre, premier crash, j'allume la console, elle crash. T'es sérieux, là? Vous savez quoi? Moi, je suis un fou malade. Je suis tellement un fou malade que, regarde, première déconnexion avec le câble. Boum! Moi, si franchement, là, je la rebranche et qu'elle ne fonctionne pas, je te jure que je pète un plomb. Je te jure que si tu ne t'allumes pas correctement et que tu n'allumes pas mon écran qui est juste derrière toi, je te fais la misère, ma belle. La misère! Ok. Non. C'est pas possible. Non, je suis en dépression. Ah, c'est bon, elle est devenue blanche. Elle est devenue blanche. C'est bon signe. Non. Allume-toi. Si elle est devenue blanche, c'est que c'est bon signe. Pourquoi l'écran ne s'allume pas? Mes aïeux. Oh, je suis en pleine panique, je suis en train de péter un plomb. Bon, attendez. Bon, les mecs, je viens de me faille. Je n'ai pas enregistré quand j'ai lancé le truc. Mais pourtant, c'était insane. Ils me demandaient plein de trucs et tout. Et regardez, il y a carrément une assistance vocale. Sélecteur, notification, son, micro, accessoire, profil, alimentation. Il me dit tout. 6h40. AOSTEROS Playroom. Je vous jure que quand j'ai lancé. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Je sais pas, je me suis gouré dans le bouton. Fait chier, je vous ai pas montré le démarrage. Mais le démarrage, je vais vous le montrer là. Mais ce qui est insane. Une petite musique et tout, ça fait stylé. Comment je fais pour éteindre la play là? Quoi? Alimentation. Redémarrer. Là, j'ai une assistante vocale qui m'a accompagné dans tout mon délire. Elle m'a dit oui, conditions d'utilisation, connectez-vous avec votre profil, connectez-vous sur internet. Elle disait carrément mon nom de ma connexion et tout. Donc, désolé, j'ai pas su l'enregistrer. Enfin, je me suis gouré dans les boutons. Mais là, vous allez voir le démarrage. Voilà. Et en fait, j'avais oublié de brancher la prise là. Là, je l'ai mis pour la deuxième fois quand je l'ai allumé. Je l'avais déjà branché, tu vois, mais la première fois, elle voulait pas. J'ai dû la débrancher, c'était hallucinant. Appuyez sur la touche PS de votre manette. T'as vu, elle dit tout. Appuyez sur la touche PS de votre manette.
Bienvenue sur la PlayStation. Bienvenue. Utilise cette manette de jeu. Touche. Appuyez sur la croix pour sélectionner. Touche croix, sélectionner. Bienvenue sur la PlayStation. Et en fait, et au début, il le disait dans toutes les langues. Hein. En français, en allemand, en anglais, en espagnol et tout. Et je me dis, what the fuck? Enfin bref. Voilà qui va terminer notre unboxing. Voilà, hein. Regardez, la belle console et tout. Oh là là, oh là là. Voilà, voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai montré l'unboxing. Hein. Là, je vais en profiter. Je vais essayer de trouver un meilleur arrangement parce que juste là, en plein milieu de qui, du jeu de qui, ça le fait pas trop. Hein. Ça le fait pas trop du tout. Donc voilà, je vous montrerai un peu ce qu'il y a dans le jeu, tout simplement. Je vous montrerai un peu les paramètres et tout ça quand j'aurai le temps. En tous les cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mag. Ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.